Féroline la fille de Dieu TV. Et maman, Lola Makambo. Et ma, Lola Makambo. Mama, mama, Lola Makambo. Abonnez-vous, Lola Makambo. Abonnez-vous, oh, oh, Lola Makambo. Mama, 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 mama. Hello, 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 hello. Welcome back to my channel, Féroline, la fille de Dieu. Féroline, la fille de Dieu. Razaïsaï, tout est grâce, l'eau les eaux fouta, Dieu nous fait grâce. Zamba malam, zamba bien, Dieu nous bénit, bénit, bénit. Donc en tout cas, Dieu m'a béni les mamans. Donc je viens de reprendre la chaîne YouTube qui est aujourd'hui. Ça fait très 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 longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait très longtemps que je n'ai pas blogué, donc je n'ai pas fait des vidéos, ça fait presque déjà un an. Alors je viens vous parler pourquoi la sœur Féroline, ces derniers temps, vous ne m'avez pas vu sur les réseaux sociaux, sauf les personnes qui me voyaient de temps en temps sur Snap, que j'ai posté de temps en temps quand je faisais à manger, ou sur Instagram, je mettais de temps en temps la nourriture, des choses comme ça, ou des vêtements et tout, etc. Mais j'étais quand même retirée sur les réseaux sociaux. Vous savez, des amis, tant que l'enfant de Dieu, tant qu'elle est chrétienne, il y a des choses, des fois, quand Dieu veut nous bénir dans notre vie, ça dépend comment Dieu te dirige. Alors, on le voit avec les apôtres, on le voit dans la Bible. Dieu, quand il a marché avec Abraham ou bien avec Isaac ou Jacob, avec tout, même apôtre Paul, Dieu, il a marché différemment. Alors, quand Dieu, il marche avec son fils ou sa fille, il nous marche, et en fait, il nous fait marcher différemment. Alors, la grâce que Dieu m'a donné, donc Dieu quand il m'a béni, donc j'expérimentais la grâce de Dieu dans ma vie. Dieu m'avait béni, j'étais enceinte, c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu. Donc j'étais enceinte, c'est pour ça pendant un an vous ne m'avez pas vu, et ma fille elle s'est portée très bien, donc elle a déjà, donc elle commençait déjà à pousser, à grandir et tout, etc. Donc la bénédiction quand Dieu m'a donné, c'était grossesse. Donc Dieu il voulait plus que je peux dire, j'avais plus la lourdeur de reprendre les réseaux sociaux. Alors, ça veut dire pour moi, j'ai compris quelque chose, que Dieu ne voulait pas que j'expose cette grossesse dans les réseaux sociaux. Donc, je voulais plus se retirer sur les réseaux sociaux, ça soit ma propre famille et ça soit ma belle famille ou des connaissances que je connais dans dehors des réseaux sociaux, les gens, personne ne savait que la sœur Féroline, j'étais enceinte. Alors c'était vraiment cette grâce que Dieu l'avait mis en moi et je voulais pas en fait exposer ça dans les réseaux sociaux. C'est pour ça que vous avez vu cette silence sur mes sur ma chaîne YouTube, c'est pour ça que j'étais vraiment retirée. Et vous savez, pendant que j'étais aussi enceinte, Dieu il commençait à faire quelque chose en nouveau en moi, il commençait à naître quelque chose de nouveau en moi. Alors, c'est pour ça que j'étais retirée dans les réseaux sociaux. Vous savez, comme je vous ai expliqué, donc comme je faisais quelque chose de nouvel pour vraiment le mettre dans les réseaux sociaux, donc Dieu, des fois, il nous retire. Alors, pour moi, personnellement, après, il y a certaines personnes ou il y a certains servants de Dieu, Dieu, peut-être, il peut vous utiliser différemment que moi. Il pourrait peut-être vous mettre, pendant que vous êtes enceinte, vous pourrez s'exposer. Je ne vous dis pas que dans la Bible, c'est interdit. Je ne vous dis pas qu'on n'a pas droit. Je vous dis que chacun, il sait comment mettre ses pieds, des pieds, comment il fait des pas. Alors, comment Dieu est en train de te diriger, comment Dieu veut que tu marches. Alors moi, c'est au contraire, Dieu il m'avait donné cet ordre de sortir dans les réseaux sociaux et pour pas que je être en fait distraite. Alors on était vraiment, j'étais vraiment dans sa présence, et malgré la grossesse, c'était pas facile. Malgré la grossesse, c'était très difficile. Alors je sais pas les mamans, si vous, il y a certaines mamans qui ont déjà 3 ou 4 ou plus. Alors je sais pas si vous, dans 3e grossesse, comment ça s'est passé, si c'était dur ou c'était facile, je sais pas. Mais en tout cas, moi, la 3e grossesse, c'était pas évident. Alors c'est pour ça que j'étais vraiment éloignée, et donc c'était grâce que Dieu m'a fait. J'ai compris beaucoup de choses pendant cette grossesse là.
troisième. Alors le chiffre 3, c'est chiffre des bénédictions, c'est chiffre des grâces, c'est chiffre que je vraiment je kiffe, que c'est chiffre que moi quand je fais les jeûnes des prières, j'ai toujours voulu faire des jeûnes de prières de 3 jours ou des jeûnes des prières de 7 jours. Alors de 7 jours parce que c'est les jours que Dieu il avait reposé. Alors le troisième jour, c'est les troisième jours que Dieu qu'il a été ressuscité. On le voit en fait dans la Bible, Dieu en fait a dit, en fait on le voit à la Bible en fait Dieu il était mort en fait à 15h. On le voit que c'est chiffre 3. On le voit encore à 18h. Dieu, quand on est venu pour enlever son corps, c'était à 18h, c'est toujours 3. En fait, il y a tout ça qu'on le voit en fait dans la Bible, c'est qui le chiffre 3. Il y a beaucoup de choses que je peux vous trouver dans la Bible, c'est les chiffres 3. Alors, la sœur Féroline, j'ai apprécié beaucoup le chiffre 3. Et Dieu m'avait béni avec cette petite fille. Elle se porte très bien, merveille. Donc, Dieu vous met la fait grâce. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai expérimenté cette grâce que Dieu il a marché avec moi, il a béni ma famille, il a béni ma petite famille. Maintenant, on a grandi. J'avais que deux. Actuellement, maintenant, j'ai deux filles et un garçon. Ils se portent très bien. Et leur papa aussi, il va très bien. Donc, moi-même, la sœur Féroline, je me porte très bien la grossesse. Malgré que c'était difficile, mais tout va bien. J'ai repris mon corps. Donc, vous allez voir les blogs que j'ai fait. Et sur les blogs, j'ai parlé de premier trimestre, comment la grossesse a été. Et j'ai parlé de deuxième trimestre. Je vais parler de la troisième trimestre. Donc, vous allez retrouver et vous allez voir aussi les jours de la naissance. Pendant que j'étais à l'hôpital et tout ça, et pendant que je partais faire échographie et tout, donc du coup j'essayais vraiment de mettre tout ensemble et vous allez tous voir ça sur les réseaux sociaux. Et merci à des youtubeuses que vous m'avez envoyé, merci vraiment aux youtubeuses que vous m'avez envoyé des messages au privé, vous m'avez écrit les messages au privé pour me parler, si ça va la sœur Féroline, je vous dis merci parce qu'en plus, au moins 5 youtubeuses qu'ils ont eu le temps de m'envoyer des messages. Donc voilà, et il y a des choses, il y a des bénédictions, des fois on peut pas parler. Alors tant que l'enfant de Dieu, tant que servant de Dieu, il y a certaines choses que quand Dieu il me bénit, des fois je peux pas parler à tout le monde. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, que ce soit ma famille ou ma belle famille, ils savaient même pas que j'étais enceinte, c'est en dernière minute. Il y a d'autres personnes qui étaient même fâchées parce qu'ils ont eu en dernière minute, mais comment ça il a couché, donc ils savaient même pas. Donc voilà. Donc en tout cas, on arrive à la fin de notre vidéo. N'hésitez pas de partager ma chaîne YouTube et de vous abonner et voilà pour moi ce que je peux moi vous dire. Surtout faut que je reprends petit à petit comment je peux faire les vidéos. Et dans cette chaîne YouTube, c'est une chaîne chrétienne premièrement, et tant que l'enfant de Dieu, vous allez voir des conseils. Tant que la servante de Dieu, je vais vous donner les conseils de couple, le peu que Dieu m'a donné cette grâce. On va partager et on va faire la cuisine, la décoration, donc exhortation, tout ça on va voir sur ma chaîne YouTube. Que mon Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. C'était votre servante de Dieu, la sœur Féroline, votre petite sœur, votre maman. Et donc voilà, c'était grâce. Dieu m'a béni en tout cas. Voilà, je vous dis à très bientôt. Donc je vais poster cette vidéo et vous allez voir ensuite, je veux poster maintenant les vidéos de ma grossesse première trimestre et deuxième et les autres, vous allez voir. Et je vous dis à bientôt, que mon Dieu vous bénisse. Bisous, ciao, et abonnez-vous.